l'historique de la CSSM. Si le principe de protection sociale existe en Hexagone depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il aura fallu attendre 1977 à Mayotte pour voir naître la Caisse de prévoyance sociale. Sous l'égide de la préfecture, celle-ci avait pour vocation le recouvrement des cotisations sociales, le versement des allocations familiales, la réparation des accidents du travail et l'action sociale. En 1987, a été instauré un régime local de retraite des salariés du secteur privé. En 1996, la CPS devient un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, à l'instar de tous les organismes de sécurité sociale. En 2004, la CPS met en place le régime d'assurance maladie et devient CSSM, Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Depuis 2015, avec le rattachement de la branche famille, la CSSM gère l'ensemble des branches du régime général. La CSSM aujourd'hui. Auparavant dispersée sur 10 sites, la CSSM a emménagé en septembre 2019 sur un nouveau siège qui lui permet d'être plus performante et de remettre la satisfaction client au centre de ses préoccupations. Des nouveaux bâtiments de près de 6 400 m² au sein du centre Kinga, 13 000 m², 289 agents y travaillent quotidiennement. Une cafétéria et un espace extérieur permettent de profiter de moments conviviaux avec les collègues dans le respect des gestes barrières. Dans des locaux mis à disposition par la CSSM, il y a actuellement la plateforme de contact tracing, pilotée par l'ARS, ainsi qu'une crèche pilote qui va bientôt ouvrir 1 000 m². La CSSM est aujourd'hui le seul organisme gérant les 5 branches de la sécurité sociale et peut se vanter de symboliser une des valeurs fondatrices de la sécurité sociale, le principe de l'unité. En effet, la CSSM fait simultanément office de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocation familiale, de caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et d'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. En outre, elle gère le front office de la mutualité sociale agricole, MSA. Afin d'optimiser la gestion de ces différents risques et au regard de son effectif contraint, la CSSM a opté pour une organisation transversale en processus dans un cadre de système de management intégré, SMI. La CSSM est le premier acteur du social à Mayotte et participe de façon importante aux revenus des ménages résidant régulièrement sur le territoire. En 2019, 164,8 millions d'euros de cotisations sociales ont été recouvrés pour 423 millions d'euros de prestations versées. En outre, la CSSM a versé près de 9,5 millions d'euros sous forme d'aides individuelles ou de subventions aux associations dans le cadre de son action sociale. La CSSM est un organisme local de sécurité sociale unique sous plusieurs aspects. De par son identité unique dans le paysage de l'institution nationale et son périmètre d'activité, de par ses enjeux spécifiques liés à son environnement social, économique, géographique, de par ses spécificités réglementaires en évolution constante pour une convergence vers le droit commun. Les perspectives de la CSSM, cap sur 2022. Pour 2022, cap pour une CSSM engagée qui défend les valeurs institutionnelles et son identité unie et unique. Une CSSM ancrée dans son environnement et actrice du développement social, socio-économique et médico-social dans le territoire de Mayotte. Une CSSM responsable qui maîtrise ses ressources et améliore les conditions de travail de son personnel. Une CSSM performante qui est réactive et proactive au service de ses clients internes et externes. Une CSSM innovante qui participe à l'évolution de la réglementation et du contexte technologique de la protection sociale à Mayotte. La CSSM, des femmes et des hommes toujours à vos côtés.